Bonsoir tout le monde, Martine Savaria, experte en harmonie familiale à Vivescence. Donc, écoutez, ce soir, je suis avec vous pour un live d'été. Donc, nous sommes mercredi soir et je suis là. Il y en a qui arrivent tranquillement, pas vite. Bonsoir à vous. Si vous êtes là, vous savez comment c'est important d'écrire Allô Martine, comment ça va pour que Facebook puisse continuer à partager. Alors, ce soir, on a un live qui est vraiment super intéressant. Trois attitudes à troquer pour une meilleure parentalité. Qui ne veut pas être un meilleur parent? Nous voulons tous être un meilleur parent. Nous voulons tous faire, nous faisons tous de notre mieux et parfois on se dit, ben, notre mieux donne peut-être pas les résultats escomptés. Donc, c'est mon travail, c'est ce que je fais d'aider les parents à aligner leurs intentions, de mettre toutes leurs intentions positives envers leurs enfants et que ça donne les résultats qu'ils veulent. Donc, si vous êtes là, écoutez, dites-moi bonjour. Allô, Martine, je suis là. Comment ça va? Est-ce que ça fait la première fois que vous m'écoutez? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là? Est-ce que ça fait longtemps que vous écoutez mes lives? Souvent, je partage dans mon groupe Parents Zen. C'est ce que je vais aller faire, partager dans mon groupe. Pendant que je partage, vous pouvez vous-même aller partager. Ceux qui sont là, restez là, soyez patients. Je vais faire ça le plus rapidement possible. Je dis toujours que je fais ça rapidement. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, je voudrais juste trouver la bonne place. Je suis ici, je me vois, mais je ne suis pas capable de partager celui-là. Donc, je vais aller ailleurs. Merci d'être encore là, d'être super patient. Je ne suis pas capable d'aller où je veux. Bon, j'y arrive, merci, super. Donc, ici, et non, ça marche pas, ça ne vaut vraiment pas ce soir. Conspiration. Et voilà, et voilà. Bon, il y a d'autres gens qui arrivent, parfait, c'est pas le but. Hein? Moi, j'aime pas ça vous faire attendre. J'aime pas ça les lives, que ça commence pas. Et c'est ça que je suis en train de faire ce soir. Moi, j'aime ça aller directement dans l'action. Parce qu'il faut que ça l'opère. On est des parents, on n'a pas le temps de niaiser puis d'attendre un 20 minutes avant qu'on commence à parler du vrai sujet. Et je m'aperçois que c'est qu'est-ce que je suis en train de faire avec vous. Mais c'est presque fini. Je suis rendue à statut publié. Ici, pourquoi c'est pas ça qu'on veut? On veut juste aller dans le groupe et Parents Zen, la petite photo est publiée. Et voilà, c'est fait. Donc, merci d'être resté là, de ne pas être disparu comme ça. Vous pouvez continuer à partager, me faire des likes, des commentaires. Est-ce que je les vois? Bonsoir, Anne. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Je suis vraiment contente de te voir ce soir, ma belle Anne. Et écoutez, je veux vous faire une petite aparté avant qu'on commence les trois attitudes à troquer pour une meilleure parentalité. Ben, premièrement, la semaine passée, j'ai pas fait de live parce que j'avais une conférence dans une école extraordinaire, des parents extraordinaires, un directeur vraiment. Bonjour Geneviève. Bonsoir. T'as bien raison. Bonsoir. Merci d'être là, merci de participer. Dans une école où est-ce que le directeur super ouvert. Bonjour Geneviève Lussier, comment ça va? Ça a vraiment super bien été, j'ai adoré. Donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de live. J'ai pris du temps pour préparer ma conférence plutôt que préparer un live. Mais je suis ici ce soir, je serai là la semaine prochaine. Et après ça, ben, on a deux fêtes nationales, donc on va plutôt se revoir peut-être en juillet. Mais la semaine prochaine, je vais être encore là. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bonne nouvelle, ceux qui veulent pour cet été augmenter leur parentalité sans être stressés. Écoutez, j'ai un cours en ligne qui s'appelle Parents conscients, enfants confiants, hein, que ça fait un an que j'ai sorti l'année passée. En début juin, je sortais mon cours. C'est un cours que les parents adorent parce que c'est un cours qui est en ligne, qui a des petites capsules de 10 minutes et qui vous donne plein de petits trucs et plein de choses à penser. Puis même des petites capsules pour relaxer parce qu'en tant que parent, on a vraiment besoin de relaxer. Pour être un meilleur parent, on a besoin d'apprendre à relaxer. Moi, je ne crois pas qu'on peut être un parent à son maximum. Ça pourrait être un de mes trucs à troquer, mais ça ne l'est pas. Je vais vous en donner d'autres. On ne peut pas être un parent à son maximum quand on ne prend pas le temps de respirer, d'être au moment présent, de se calmer le pompon. Et dans ce cours-là, je vous apprends plein de choses
sur les enfants, comment être différent, comment être conscient avec les enfants et comment aussi en même temps prendre le temps pour vous et d'apprendre à vous calmer le pompon pour être un meilleur parent. Donc, le lien est là, vous pouvez aller l'acheter, 25% de rabais pour mon premier anniversaire. Donc, soyez les heureux parents qui faites ce cours en ligne tranquillement cet été en transformant votre dynamique familiale. Donc, vous pouvez l'acheter en un clic, puis c'est terminé. Donc, ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a à troquer, hein? Bien oui, ça fait pas partie un des trucs, mais je vous l'ai dit, le stress contre le calme, c'est une très, très, très bonne affaire. Faut que je fasse attention à mon langage, je m'en allais sortir une maudite bonne affaire. C'est vraiment ça que vous devez apprendre pour être plus au moment présent. Mais c'est pas un des premiers trucs. Ce que je voulais vous dire, c'est que la parentalité, hein, c'est quelque chose qu'on prend pour naturel, on prend ça pour peut-être facile ou je pense que la plupart des parents, on se fait prendre dans. Je pensais pas qu'être parent, c'était aussi dur que ça. Je pensais pas qu'être parent, c'était pour être aussi essoufflant que ça, aussi prenant que ça, aussi déroutant que ça. On se fait un peu tous prendre là-dedans. Et en se faisant prendre, parce que tu sais, avoir des enfants, ça nous sort de nos routines, ça nous sort de notre confort, ça nous sort de peut-être notre petite lune de miel. Donc, il y a vraiment plein, plein de choses qui sont différentes de qu'est-ce qu'on avait connu. On ne pensait pas que c'était pour être si exigeant. Donc, c'est correct, hein? Et souvent, quand on est parent, on est dans le faire, hein? Faut que je fasse à manger, faut que j'emmène mes enfants au soccer, faut. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, c'était un peu moins. Faut que je reçoive mes parents, mais la pandémie nous a comme emmenés à faire un petit. Oui, c'était difficile de ne pas voir personne. En même temps, nous a peut-être tous emmenés à réfléchir un peu, puis à faire un petit. Bon, ça fait quand même du bien de rester un peu à la maison, puis avoir un petit peu une vie moins active et tout le temps go, go, go. Hein, la pandémie, moi, je pense qu'elle a eu ça de très, très bon. Elle nous a peut-être appris à être un peu plus dans l'être que dans le faire. Hein, un des problèmes de la parentalité, c'est qu'on est toujours dans le faire. Hein. Faut que je fasse à souper, il faut que je comme je disais tantôt, j'emmène mes enfants à tel endroit. Ah, faut qu'on fasse les devoirs. Ah, faut que. Et on est dans le faire le ménage, les rendez-vous, et on ne prend pas de temps. Fait que le faire, là, c'est vraiment dans notre tête. Donc, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans notre tête, et on a besoin, la parentalité, ça se passe dans le cœur. Fait que c'est ça aussi qui fait que c'est un peu difficile, parce qu'on a comme dans notre tête une image de qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce que mon enfant doit être, comment moi je dois être comme mère, comment mon conjoint doit être comme père, comment est-ce que le frère et la sœur doivent agir en tant que grand frère ou grande sœur. Vu qu'on est tout le temps dans notre tête, il y a une grande, 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 grande pression sur nous, sur notre conjoint et sur nos enfants. Okay? Parce qu'on ne prend plus le temps s'arrêter. De comment je me sens, moi? Qu'est-ce qui arrive là? Je me sens comment? Comment je le perçois à l'intérieur de moi? Puis comment est-ce que, quand moi je m'arrête comme ça, puis que je perçois les choses, pas avec ma tête, mais avec mon senti, mon enfant, lui, il réagit comment? Est-ce qu'il réagit plus calmement? Est-ce que lui aussi, il se calme? Donc, prenez, soyez observateur. Je vous dirais là que mon premier point à troquer, c'est arrêtez d'être dans le faire et soyez dans l'être. Soyez dans, OK, quand ça se passe, comment je me sens? Quand mon enfant dit tel mot, comment je me sens? OK, je me sens fâchée. Est-ce que ça vaut la peine que je vomisse dessus? Hein, moi, je dis ça quand on commence à par-dessus nos enfants. Ben, excusez, je suis très théâtrale. Donc, quand on fait ça avec nos enfants, est-ce que ça l'aide la situation ou ça l'envenime? OK? Donc, soyez observateur de comment vous vous sentez, de qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Et quand vous êtes juste observateur, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi qui arrive? C'est-tu vraiment pire? Vous avez peut-être peur que ça soit pire parce que vous ne faites rien pour l'instant. Mais peut-être que ça va s'arranger, qu'est-ce qui est en avant de vous. Donc, le premier conseil à troquer, c'est arrêter de constamment réagir et agir à tout ce qui se passe
devant vous. Okay? Soyez observateur, soyez juste, je dirais, le spectateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de ce qui se passe à l'extérieur dans la situation. Ça serait le premier comportement à troquer qui va être super aidant, qui va vous aider à ma deuxième attitude à troquer. Et si vous avez des commentaires, allez-y, c'est super bon que vous écriviez des commentaires pour vous. Si vous avez des questions, allez-y. C'est sûr, des fois, quand je vous lis, c'est pas toujours évident, mais vous pourrez préciser si je comprends pas trop ce que vous voulez dire. Donc, je regarde, là, je monte mes affaires, mais j'ai pas l'air d'en avoir d'autres. Donc, l'autre élément, c'est vraiment, je dirais, le mindset. Hein? En tant que, c'est de plus en plus la mode dans hein, le mindset, quand tu es entrepreneur, un mindset, ça prend un mindset. On fait du yoga, écoute, là, on a un mindset de yoga, mais dans la parentalité, ça prend aussi un mindset de rester solide. Parce que si on n'a pas de mindset, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre mental va s'arrêter à toutes les négativités. Parce que c'est bien plus facile d'être dans la négativité que dans le positif. Hein? C'est pourquoi? C'est tout simplement parce que notre cerveau, il est fait pour nous protéger. Donc, notre cerveau va aller chercher tout ce qui va mal pour trouver une solution pour qu'on se sente en sécurité. Fait que là, il faut bypasser ça si on veut être heureux puis être dans une bonne parentalité. En disant, oups, OK, je suis en train de chercher là, des solutions parce que je me sens menacée par peut-être que si mon enfant fait ça, je pourrais passer pour un mauvais parent. Donc, c'est vraiment d'aller bypasser ça et de voir comment est-ce que je peux rester solide, même si en avant de moi, il y a des choses qui se passent pas. Hein. Je voudrais que mon enfant soit plus responsable, puis quand je lui demande de ramasser ses souliers, ben il ne fait pas ou il fait une fois sur cinq. Et je reste tout le temps sur les quatre fois qu'il ne l'a pas fait sur les cinq, plutôt que d'être wow, il l'a fait une fois, puis de travailler là-dessus, on va être dans le mindset de la négativité. Ah, il ramasse jamais ses affaires. Est-ce que c'est vrai qu'il ramasse jamais ses affaires? Il ramasse une fois sur cinq. C'est pas souvent. Mais est-ce que c'est jamais? Non, c'est pas vrai. Donc, d'avoir un mindset de mettre les enfants en réussite et de voir où est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que vos enfants de 5 ans ramassent leur manteau ou leurs souliers ou leur tuque en hiver? Là, on n'est pas en hiver, mais à chaque fois, ben peut-être que c'est ça votre but. Mais pour arriver à avoir 100%, ben il faut commencer par avoir peut-être 50%, après ça 60%. Hein, surtout quand on a 5 ans, peut-être même 30% qu'on peut commencer. Puis on le monte d'un petit pourcentage, puis d'un autre petit pourcentage. Donc, d'y aller pas à pas. C'est super important. Donc, d'avoir un mindset, le mindset d'avoir un but, de baisser nos attentes pour se rendre à notre but. OK? Et d'avoir un mindset solide de pas à chaque fois que ça va mal, de me décourager. Ça, j'entends souvent ça, les parents. Oh, ça allait tellement bien, puis là, ça va pas bien. Puis là, c'est comme si tout ce qu'il y avait eu de beau, ça n'existe plus. Okay? Mais c'est pas vrai. Pour l'instant, ça n'existe pas dans le moment présent. Mais pourquoi que tu projettes que tout ce que tu as fait, c'est fini, puis qu'il n'y en aura plus jamais de ça? Fait que le mindset est super important, autant comme entrepreneur, autant que comme parent. D'avoir un mindset positif et d'aller vers ce qu'on veut et d'emmener notre enfant pas à pas vers où on veut aller. Donc, d'avoir un mindset, ça dans ma cohorte, là, Enfant Max, Parent Relax, pas dans le cours d'été, ma cohorte, je recommence ça juste au mois de septembre, j'en finis une le 30 juin avec un groupe extraordinaire de parents. J'ai un papa qui nous fait rire constamment, notre beau Éric, je sais pas s'il est là ce soir, il est pas là, mais je le rejoins tantôt, il va sûrement avoir encore plein de choses à nous faire rire. On a beaucoup de plaisir. Donc, ceci dit, mais dans ma cohorte, je parle beaucoup, beaucoup de ça, du mindset. J'enseigne le mindset, c'est
hyper important. Puis ceux qui sont intéressés, ben ça va juste en septembre. Cet été, je prends congé. J'aligne mes bobines avec mes bottines et je prends congé cet été. Je vais faire du coaching. Mais c'est ça pour les cohortes. On met ça off jusqu'en septembre. Donc, si vous pouvez regarder ça si ça vous intéresse, puis mettre tout en place pour septembre. Ça va me faire plaisir de vous accueillir. Donc, ceci dit, et ma troisième attitude à troquer pour une meilleure parentalité, c'est la communication. Hein? Plus on reste silencieux, moins on met d'énergie dans ce qu'on ne veut pas, mieux c'est. Hein? Souvent, on va communiquer avec nos enfants d'une façon, un, négative, hein? Parce que c'est le même, c'est plus facile, on est habitué, puis c'est plus facile de, comme je disais tantôt, de focusser sur qu'est-ce qui va pas que sur qu'est-ce qui va. Donc, d'avoir une communication, un, qui est positive. Une deuxième chose qui est vraiment importante, c'est vraiment la communication, là, ça commence par écouter. OK? Et les parents, là, c'est pas ça, pantoute qu'on fait. Hein? Les parents, quand un enfant nous parle, puis un enfant va nous parler, puis il va nous dire, bon, maman, j'aime pas ce que tu fais pour souper, ou j'aime pas ce souper-là, ou peu importe, oh, tel ami m'a fait ça, ou oh, maman, moi, ça, j'aime pas ça, quand. Mais non, mais pourquoi? Mais non, mais là, on va essayer de leur trouver plein de solutions, plein de trucs, plein de conseils pour leur montrer que qu'est-ce qu'ils vivent, bon, c'est pas si pire que ça, là, franchement, là, tu sais, reviens-en, là, puis c'est pas pour minimiser ce qu'ils vivent, c'est pour les aider à passer à travers de ce qu'ils vivent, parce qu'on veut donc pas que nos enfants aient de la peine, qu'ils se sentent tristes, qu'ils soient malheureux, donc, qu'ils ne soient pas contents. Donc, on va aller trouver plein de mots, plein de conseils qu'on va leur donner pour venir essayer de les consoler, OK? Pour les rendre plus heureux. Mais ce que ça fait, ça, dans le fond, c'est que notre enfant comprend que ben moi, ce que je vis, au final, mes parents le minimisent. Okay? C'est pas ça que vous voulez passer comme message, mais c'est comme ça que c'est perçu pour l'enfant. C'est la même chose avec votre conjoint. Vous dites, hey, tu sais, au travail, là, ça a tellement pas été facile aujourd'hui parce que Lise a fait telle chose, puis bon, j'étais fâchée, puis votre conjoint va être, ben, oh, c'est pas si pire, tu sais, Martine, là. Ça pourrait être pire, puis ben, tu sais, elle travaille juste 2 jours semaine, fait que tu la vois juste 2 jours sur 3, tu sais, puis trouver plein de choses pour venir minimiser l'impact que nous, on ressent pour nous aider à passer au travail. Fait qu'on fait ça dans une bonne intention. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Vous pouvez peut-être m'écrire, oui, Martine, je comprends, ou ce que tu dis du vrai chinois. J'aimerais ça que quelqu'un m'écrive quelque chose là-dessus. Donc, de percevoir que notre intention est vraiment de venir apaiser la personne pour qu'elle soit moins dans la souffrance, mais que la personne peut, et souvent les enfants perçoivent ça, comme minimiser ce qu'ils ressentent. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, faites juste écouter et faites, comme on dit, de l'écoute active, c'est-à-dire de répéter ce qu'il a dit dans ses mots le plus possible. Comme ça, l'enfant, là, va se sentir vraiment écouté. Il n'y aura pas de place pour le jugement. Il n'y aura pas de place pour minimiser ses sentiments. Parce qu'aussi, souvent, les parents me disent, ah, oh, mon enfant, il ne me parle plus. Il ne me parle de rien. Ben, pourquoi il va vous parler de quelque chose? Parce que quand il vous en parle, vous essayez de lui dire que ce n'est pas si pire que ça. Puis pas parce que vous voulez qu'il se taise. Parce que vous voulez, comme je disais tantôt, le consoler, l'aider à passer à travers sa peine ou à travers l'émotion qui est là. OK? Donc, on a plein de bonnes intentions, mais la façon dont on fait les choses emmène un autre message à nos enfants. Puis là, les enfants, quand on fait ça, bien, ils ne se sentent pas vus, ils ne se sentent pas reconnus, ils se sentent en connexion, mais pas vus et reconnus. Donc, ça les ferme. Et après ça, ben, on est poigné à dire, ah, mon ado parle pas, mon ado ne me dit rien, ben, parce que souvent on va les juger, on va minimiser.
OK? Donc, oui, Geneviève Roberge, merci beaucoup, Geneviève, de me répondre. Oui, c'est clair, merci. Excellent. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important que vous ayez bien compris ça. Là, je vais regarder l'heure, je commence un petit peu en retard, puis j'ai mon cours à 8h30. OK, il me reste 8 minutes pour faire le transfert. Donc, en gros, c'est ça, hein, mon live de ce soir, des trois attitudes à troquer. Il y en a plein, mais je pourrais vous en donner 50. Parce que moi, quand je fais une conférence ou quand je donne plein, plein, de ceux qui font mon cours en fond max par an, relax, sont comme waouh, il y en a du stock là-dedans, Martine, c'est fou. Hein? Moi, là, j'ai full truc, j'ai full, tu sais, fait que j'en ai plein, je pourrais vous en parler encore pendant bien, bien longtemps. Mais on va s'arrêter à trois parce que déjà d'en pratiquer trois et de le mettre, parce que c'est bien beau d'écouter un live, mais tu sais, si vous m'écoutez puis vous pratiquez rien puis vous changerez rien, ben vous aurez pas, vous allez avoir les mêmes résultats. Hein? Fait que ça, c'est bien, bien clair. Donc, c'est important, je vous en donne trois, mais pratiquez-les. Tu sais, si vous êtes là depuis le début, c'est parce que ça doit vous intéresser. Fait que perdez pas juste 20 minutes de votre temps pour faire ah ouais, c'est bon puis c'est tout. Non, 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 mettez-le en pratique. Okay? Donc, quoi? On est conscient, hein, de ce qui se passe en avant de nous pour être au moment présent, pour être plus là et d'être observateur. On va beaucoup moins crier, on va beaucoup moins critiquer, on va beaucoup moins être tenté de réagir. On va juste regarder et voir. Et après ça, voir qu'est-ce qui se passe quand je réagis un peu moins. Peut-être que les choses se règlent, OK? Peut-être pas, peut-être que ça s'envenime maintenant plus finir, mais faites juste voir, OK? Et l'autre chose, avoir un mindset en tant que parent, c'est vraiment important. Donc, le mindset d'être un pilier, le mindset de vouloir être dans le positif, de mettre mon enfant en réussite, dans la bienveillance, de faire de mon mieux pour comprendre. Et comprendre, ça veut dire écouter, OK? Hein, pour mieux communiquer. Communication, on le dit, c'est quoi? C'est écouter, c'est refléter dans les mots qu'est-ce que notre enfant a dit. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, encore une fois, je vous invite à, si vous êtes intéressé, au cours en ligne à, pour cet été, apprendre la parentalité consciente, c'est quoi, puis d'avoir un enfant plus confiant, parce que plus un parent en conscience, plus on est un parent qui est présent, plus on est un parent qui est capable de voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans la relation, plus notre enfant devient confiant, qui a confiance en lui, et plus vous gardez une relation proche, puis il y a vraiment quelque chose de vraiment intéressant qui se développe à travers ça, et à travers ce cours-là, comme je disais au début, vous apprenez aussi à relaxer, à prendre du temps pour vous, à venir intégrer la matière que je vous ai donnée, de faire des échanges avec vos enfants et de bien réfléchir. Donc, et de faire plein de prises de conscience. Et il y a un accompagnement Facebook avec ce cours-là. Donc, il est en vente à 25%. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui est là et vous arrivez direct sur la page de vente et vous pouvez vous inscrire et commencer dès ce soir. Donc, tout dépend de votre engagement et de votre proactivité. Plus on est engagé, plus on est proactif, plus notre vie change, plus on est heureux. Donc, et voilà. Donc, il y a Audrey ici qui nous dit merci beaucoup. Première fois que Audrey est là. J'espère de vous revoir. Et c'est une super bonne habitude à prendre. Habituellement, j'en faisais à tous les lundis, à tous les mercredis. C'est sûr que cet été, je vais être un peu moins là, vous autres aussi. Mais on continue, puis en septembre, je vais être là. Mais cet été aussi, mais un peu moins. Mais je vous tiens au courant. Donc, la semaine prochaine, soyez là. Je vais vous apporter aussi d'autres changements qu'on va avoir, qui vont se faire cet été, puis qu'on verra plus en automne. Donc, merci beaucoup à vous d'être toutes là. Tous vos commentaires, vous êtes super fin, super collaborateur et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!